vidéo, vous aurez besoin d'un cube, d'un autre polyèdre convexe quelconque, pour un exemple, de stylos et d'une feuille ou alors d'une ardoise, pour pouvoir faire la démonstration et écrire. Les couleurs, c'est mieux quand même, comme ça on voit bien ce qui se passe. Et vous aurez aussi besoin de votre cerveau, car il va falloir additionner et soustraire. Mais sinon, à part ça, tout ira bien. Alors, comment est-ce qu'on construit cette démonstration? C'est bien simple, on part d'un polyèdre convexe, bon, nous on va partir d'un cube, et on va essayer de le changer en quelque chose de plus facile pour calculer la caractéristique de l'aire. Parce que bon, là ça va, le nombre de faces, je peux encore les compter, hein, mais il y a des polyèdres convexes qui ont 150 faces. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai pas envie de compter toutes les faces, toutes les arêtes. Donc le principe, c'est qu'on prend notre polyèdre convexe, et pour l'étudier plus facilement, on le met à plat. Si je prends une presse et je le presse comme ça, le problème c'est que je vais rien voir. Or moi, ce que je veux, c'est quand même pouvoir voir les faces, les arêtes, les sommets, parce que là je suis obligée de le retourner, c'est pas pratique. Du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève cette face ici, et je vais prendre le reste et je vais l'étendre. Si j'essaye avec mon cube, donc lui ce sera pour tout à l'heure, ça donne à peu près ça. Je mets la face blanche au milieu, j'ai la face jaune que j'ai enlevée, j'étends la face rouge de côté, elle va jusqu'ici. Je fais pareil, j'étends, elle va jusqu'ici. Bon, je fais pas trop, je garde quand même les arêtes là où il y a des faces. Donc, vous voyez là, l'arête ici entre le rouge et le vert, elle se retrouve bien là. Ce sommet, il se retrouve là, ce sommet se retrouve là. J'ai rien enlevé à part la face jaune. Donc moi, là, je l'ai fait pour un cube. Mais en vrai, tout polyèdre convexe, ça marche. Là, j'ai un autre exemple avec ça. Mon octaèdre ici, qui est déjà un peu plus compliqué. Hop, si jamais je mets la face noire en bas et que j'enlève la face jaune ici, ma face grise, je la tire, je la mets là. Bon, du coup, elle est bien déformée, hein, mais c'est pas grave. Tant qu'elle est là, ça ne changera pas le calcul. La face rouge, je la tire. La face violette, je la tire. Et à la fin, j'ai ce beau dessin. Qu'est-ce que je voulais calculer déjà, vous pouvez vous demander. Bon, en fait, ce que je voulais calculer, c'était le nombre de faces, donc le nombre de couleurs, en gros, plus le nombre de sommets, le nombre de pointes, moins le nombre d'arêtes, donc le nombre d'arêtes comme ça. Et c'est facile. Je compte le nombre de faces, je compte le nombre de points, je compte le nombre de traits. Je peux le faire. Mais je vais essayer de me ramener un truc plus facile. Et pour ça, je vais enlever tous mes polygones et je vais les changer en des triangles. Donc voilà ce qui se passe. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais un truc qui n'était pas un triangle, bah, j'ai coupé en deux et j'ai rajouté un triangle. Donc bon, je vous vois venir, hein, oui, mais il y avait d'autres manières de faire des triangles, mais je peux avoir plus ou moins de triangles, j'aurais pu faire un trait là. Oui, vous avez raison, on aurait pu faire plein de choses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas exactement comment je fais, c'est que j'ai que des triangles. Après, la manière dont c'est fait, je m'en fous un peu en vrai. Alors, il y en a d'autres qui pourraient dire, mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que je peux toujours faire des triangles? Parce que là, j'ai un beau carré, hein, mais tout à l'heure, vous avez vu, j'avais des trucs plus compliqués. Alors il s'avère que oui, c'est un théorème beaucoup plus général, qui est que toute surface, même si c'est pas sur un plan, hein, même si c'est un truc en 3D, je peux lui mettre plein de triangles dessus. Et c'est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo, dans la 3D. C'est pour ça que les gens ressemblaient plus à des cônes qu'à des gens. Donc nous, maintenant qu'on a fait tous ces triangles, on va regarder si notre formule, la caractéristique de l'air ici, elle a changé ou non. Donc on va regarder déjà sur ici, ce quadrilatère-là. Donc j'ai le même nombre de faces, plus 1. J'ai le même nombre d'arêtes, plus 1. Bah, je change pas le nombre de sommets en vrai, vu que j'ai juste relié des sommets. Oui, c'est important, il faut pas que je crée de sommets, il faut juste que je relie des sommets pour que ça fasse des triangles. Donc comme j'ai le même nombre de sommets, ça donne ça. Et si je fais mon petit calcul, je remarque que ça me fait F plus S moins A plus 1 moins 1. Parce que oui, là comme il y avait un moins avant la parenthèse, c'est moins A, donc moins A plus 1, ça fait moins A moins 1. Et plus 1 moins 1, il paraît que bah, ça fait 0. Donc je me retrouve avec F plus S moins A plus 0. Mais c'est la même chose. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, rajouter une face en plus, puisque avant j'en avais qu'une seule et là j'en ai deux, et rajouter une arête en plus, vu que là, ici, sur ce quadrilatère, j'en avais 4, maintenant j'en ai 5, ça change rien. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de faire des trucs partout. Et ça fait ce joli dessin. Je me dis, c'est bien beau d'avoir rendu ma figure plus complexe. Ça sert à rien si c'est pas pour la simplifier après. Donc allez, c'est parti. Je vais me dire que je vais enlever tous les triangles oranges, ici. Alors, les triangles oranges, c'est tous les triangles où il y avait qu'un seul côté qui était au bord.
Donc un seul côté qui était au bord, là c'est vrai. Si je prends les violets, bah non, il y a tous les côtés qui sont au bord, ça marche pas. La question c'est, est-ce que j'ai le droit, encore une fois? Alors on va refaire les calculs. J'ai enlevé une face. Et bah, j'ai enlevé cette arête aussi, vu que j'ai enlevé le triangle. Par contre, ces deux arêtes-là, il faut que je les garde, hein, parce que le triangle violet, il en a besoin. Donc ça donne le même nombre de faces. Moins 1, cette fois, parce que bah, j'ai enlevé une face. Logique. Plus le même nombre de sommets. Ça, ça change pas. Il y a toujours ce point-là, parce qu'il est relié à l'autre triangle. Toujours ce point-là. Ça change pas. Et cette fois, on a aussi enlevé une arête. Donc là, c'est A moins 1. Et si je fais pareil que tout à l'heure, c'est égal à F plus S moins A. Je déplace le moins 1. Je déplace le plus 1. Parce que moins fois moins 1, bah, ça fait plus. Et moins 1 plus 1, ou 1 moins 1, bah, ça fait toujours 0. Donc je retrouve avec bonheur ma formule plus S moins A. Et donc bah, j'ai bien ce que je voulais. Donc je suis heureuse, c'est bon, je peux respirer. En enlevant les triangles qui ont un côté sur l'extérieur, je ne change strictement rien. Alors, quand j'ai enlevé tous les triangles qui avaient un bord qui touchait l'extérieur, je me retrouve avec ça. Donc vous, sur une autre figure, vous inquiétez pas, il vous restera aussi des triangles, notamment ceux qui ont deux bords sur l'extérieur et un bord à l'intérieur, ou alors ceux qui ont trois bords à l'intérieur. Ben, ceux-là, il va falloir les traiter aussi, en vrai. Si j'en efface un, je perds quoi? Ben, en fait, je perds ce sommet-là. D'accord. Mais je perds aussi cette arête-là, et la face. Donc, ça me donne F-1, j'ai un sommet en moins, plus S-1, et j'ai deux arêtes en moins cette fois. Moins à moins 2. Et du coup, si je pose ce calcul, ça me fait F plus S moins A, j'oublie pas, le moins 1 d'ici, le moins 1 d'ici, et le moins 2. Comme il y a un moins en face, moins 1 fois moins 2, bah, ça fait 2. Donc ça devient plus 2. Et il paraît, encore une fois, que moins 1. Moins 1 plus 2, bah, ça fait 0. Et donc, encore une fois, je me retrouve avec F plus S moins A. Et ben, c'est la caractéristique de l'air. Donc, encore une fois, en effaçant mes triangles, ben, je change rien. Et comme je change rien, je peux effacer tous les triangles que je veux. Ce sera plus facile après pour calculer. Quand j'ai effacé tous mes triangles, je vais devoir enlever ces triangles-là. Sauf que, ben, en fait, je me rends compte que ce triangle-là, maintenant qu'on a enlevé tous ceux qui sont autour, c'est aussi un triangle qui a deux côtés vers l'extérieur. Donc en fait, je peux l'enlever comme tout à l'heure, c'est exactement le même cas. Et en fait, je peux enlever tous les triangles jusqu'à arriver à la dernière étape, où j'ai un triangle qui a trois côtés sur l'extérieur. Et ça, on l'a pas encore traité. Sauf que bon, un triangle, c'est pas très compliqué. J'ai le nombre de faces, qui est égal à 1, vous êtes d'accord? Le nombre de sommets, qui est égal à 3, et le nombre d'arêtes, qui est aussi égal à 3. Sauf que, on n'oublie pas que là j'ai une face. Mais j'avais enlevé la face jaune au début. Et du coup la face jaune, je l'ai enlevée, mais il faut que je la rajoute au bout d'un moment. Donc je rajoute la face jaune. Hop! Le nombre de faces devient 2. Or, je pense que vous le savez bien. 2 plus 3 moins 3, ça fait 2. On a prouvé que c'est vrai pour tout. Vu que pour tout polyèdre convexe, je peux faire ce que je viens de faire. Bravo! Vous avez réussi la recette parfaite de la démonstration de la caractéristique de l'air pour les polyèdres convexes. Félicitations! Alors, cette démonstration, c'est pas moi qui l'ai inventée. J'avoue tout, c'est la première démonstration qu'on trouve sur Wikipédia, et c'est la démonstration de Cauchy. Donc Cauchy, un autre grand mathématicien. Et elle est très belle, parce qu'elle est très visuelle, elle est constructive. Je construis ma solution. Et moi je trouve que voilà, c'est ça qui est beau, c'est que tu fais des triangles, tu les enlèves, tu vérifies vite fait, et ça te prouve quelque chose de génial. Une question qu'on a très très envie de se poser, c'est à quoi ça servait en fait la convexité? Le fait qu'il n'y ait pas de trous, le fait qu'on puisse mettre un segment partout dedans, enfin, ça semble inutile. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un polyèdre convexe et que je l'aplatis, il n'y a jamais de trous. Parce que bah oui, le polyèdre n'avait pas de trou au départ. Et donc quand j'enlève un par un tous les triangles, je me retrouve avec qu'un seul triangle. Alors qu'en fait,
si jamais il y a un trou dans mon polyèdre, ben, quand je vais l'aplatir et quand je vais enlever tous les triangles un par un, il va me rester des trous. Là, on peut voir qu'en fait ici, dans ce simple cas où il y a un trou au milieu et trois triangles, j'ai trois triangles qui ont trois côtés vers l'extérieur. Et du coup, la caractéristique de l'aire, si jamais j'en enlève un, elle va être changée. On a vu que ça marchait que pour les triangles qui avaient un côté vers l'extérieur ou deux côtés vers l'extérieur. Et du coup là, dans cette configuration, je peux rien enlever et quand je la calcule, ben j'ai 6 plus 4 parce que j'ai 6 sommets, 3 faces plus 1 parce que j'en avais enlevé une au début de ma démonstration, ça fait 4, 9 arêtes, ça me fait 1, ça me fait pas 2. Mon hérisson, même s'il n'était pas convexe, en fait ça marchait, parce que la seule chose qui est importante, c'est le nombre de trous. Ouf ! En mathématiques, ça s'appelle le genre de la surface. Et donc du coup, un donut, par exemple, il a un trou. Et donc du coup, c'est de genre 1. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles vidéos. Et à bientôt !